seulement une fois, j'ai déjà construit plusieurs maisons. T'as déjà construit des maisons dans ta vie? T'as construit quoi comme maison? Trois maisons de luxe. Trois maisons de luxe? Trois maisons de luxe? Ouais. Ouais. Quatre animaliers de chats, de chiens. Quatre animaliers de chats et de chiens? Ouais. Un océan. Un océan. Et 40 piscines. T'es chaud, hein? T'as fait 5 ans? 5 ans. Comment ça, 5 ans? Quand j'avais 5 ans, j'étais légion. Alors c'est pour ça, je suis en caleçon et j'ai vraiment très chaud. Donc t'es un pro de la construction? Arrête, arrête, arrête. Donc toi t'es portugais un peu? Pourquoi tu fais ça? Vu que t'as de l'expérience dans la construction et que t'es en slip, est-ce que t'es chaud? On va tester ta capacité à construire des châteaux. Je vais demander à Rémi. Attends, t'es et Zizou. Attends, t'es chaud? Nous deux, on fait équipe contre les deux autres Clodo. Non, je suis pas chaud. Allez, parce que t'es nul un peu. Je vais dire à Zizou et Rémi de venir avec toi. Vous allez construire chacun un château et on va décider quel est le meilleur château. Le château le plus moche, il se fait enterrer. Ah! Non, mais pas la tête. Pas la tête. Il se fait enterrer. T'es chaud ou pas? Serre-moi la main. Ouais. Tu fais quoi là? Vas-y frère, vas-y, allez, levez-vous là, allez, 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 allez. Les mecs, on va rajouter un petit défi dans la vidéo. On n'a pas d'instrument, ok? Papa et maman, ils ont pas ramené la pelle, le râteau qui était prévu. Oh, d'accord? Fuck it, shit. Arrête toi, t'es en slip là, ça fait 3 semaines, t'as toujours pas changé, c'est le même. Moi, je... Non, mais non, mais change de slip, change de slip, change de slip, change de slip, change de slip. Du coup, écoutez, vous avez 10 minutes pour prendre ce que vous voulez dans la maison pour faire votre château. Vous prenez un sac, vous avez 10 minutes, interdit de recopier sur l'autre, ok? Vous prenez des verres, assiettes, ce que tu veux. Il faut que ça soit le plus beau des châteaux. Pour qu'il y ait vraiment du défi, parce que je sais que vous allez pas prendre ça au sérieux, le château le plus éclaté, eh ben il prend un coup de tondeuse dans les cheveux. Non, Parlez trois. Le perdant, le perdant. Mais Nadim, t'as la pire coupe déjà. Pourquoi il fait le mec? Pourquoi tu mets la main sur la hanche? Tu veux qu'on s'explique? Oui, qu'avec le sable, on fait pas avec la tondeuse. Quoi? Ici. Vous préférez être enterré ou prendre un coup de tondeuse? Tondeuse. Coup de tondeuse? Comment ça toi? Zizou, tu préfères quoi? Enterré. Enterré? Nadim, enterré, ok. Le perdant, il se fait enterrer, mais genre salement. Genre vraiment, vraiment, ok? Genre on creuse un vrai trou, tout ça, il peut plus bouger, ok? Quoi? C'est bon? Mais non, mais. Mais alors toi, c'est la tondeuse. Mais Nadim, ça sert à rien de partir à chaque fois, hein. Hop, il revient encore. Pas ça. Si on perd, on se fait subi par le... On se fait quoi? On se fait subi. Je mets le chrono et au final, ça sera pas 10 minutes mais seulement 5. Vas-y, 3. Et tu changes de caleçon aussi. 3, 2, 1, c'est parti. 5 minutes. Toi, je te jure, si tu te fais enterrer, je mets les fesses de Nadine sur ta tête. C'est bon maintenant ou pas? Ouais, ça... Vas-y. Il vous reste 2 minutes 30, les amis. Mais quoi? 10 minutes 30. T'as qu'un verre? J'ai qu'un verre. J'ai que ça. Bah, c'est bien, t'es bien toi. Magnifique, non, tu frises, je suis pas sûr que ça sert à un truc une brosse à dents. Doliprane. Il reste 50 secondes les gars. 50 secondes, Nadim il a pris une brosse à dents, j'ai pas compris. Mais Nadim, tu peux pas prendre une brosse à dents? C'est la brosse à dents de Zizou. Non. Il va se brosser les dents avec quoi après ça le chien? Il reste 30 secondes. Vite vite, allez, 30 secondes. C'est fini. Alors Rémi, tes objets, s'il te plaît. Ça. T'as pris quoi? Alors. Pour transporter de l'eau. Mais tu sais que genre ton château il va être à côté de l'eau. T'as besoin de transporter. J'avais pas. Attends. Et en plus il y avait, au pire il y avait des seaux dans la maison. Ok, ensuite. Doliprane. Une boîte de Doliprane. Il y a des Doliprane dedans? Ouais. Tu faire quoi avec ça, chien? C'est pour faire l'eau de mousson. Ok. T'as pris un bouchon. Ok. Donc j'ai un petit creux. Une après. Date. Ok. Et là j'ai pris un petit verre. Ok, ça marche. Nadim, t'as pris quoi? Oui, ça. C'est... Oh, arrête. Nadim, t'as pris quoi? Nadim, il a pris. Mais aussi l'autre, il m'a foulé. Tu l'as volé quoi? Il m'a pris ma brosse à dents. Il m'a volé ça. Non, pas Rémi, c'est lui. Il m'a volé. Tu l'as volé quoi ça? Il m'a pris ma brosse à dents. Mais c'est sa brosse à dents, il va se brosser les dents avec, t'as honte. Mais j'allais faire vers le côté où il a pas de truc là. Mais t'allais faire quoi? J'allais faire des petits trous. Mais il va y avoir du sable dedans, il pourra pas se brosser les dents. Mais... T'as pas de dents, t'as pas besoin. Arrête, Nadim, calme-toi, Nadim. Zizou, t'as pris quoi? Alors moi j'ai les lunettes pour toujours un max de feu. Lunettes pas de patrouille, ok. Ensuite j'ai une ampoule et un verre, ok. Nadim, t'as pris quoi? Tu me relais 5 secondes. Nadim, c'est quoi? Tu me relais 5 secondes. Vas-y, je te laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est fini, tu reviens là. Bon, allez. Allez, on y va. Allez, viens. Nadim, ton caleçon, tu as toujours pas changé. J'ai prévu ça. C'est quoi ça? Pour les lunettes. Ça, c'est pour les lunettes, hein? Oui, pour tuer toi. Pour me tuer, moi? Pour étouffer. Pourquoi? Pour étoyer. Pour étoyer? Les lunettes. Ah, aussi pour mettre les trucs comme ça. Okay. N'énerve pas, là, Pour étoyer. Oui, mais tu vas faire un château de ça. Tu vas pas étoyer des lunettes. Mais aussi l'autre, il m'a volé un truc,
Mais c'est ça, ça brosse à dents. Calme-toi. Mais t'as dit on prend tout, qu'est-ce qu'on veut. Calme-toi. Bon, ici, il n'y a pas de monde, vous avez de la place. J'ai dit quoi, Zizou, il a dit... J'ai dit Zizou, il a dit quoi et j'ai dit faire. Incroyable. Vas-y Rémi, viens, viens. Tu vas te mettre tout seul ici. Voilà, là c'est bien. Tu peux avancer et là tu te mets où tu veux. Zizou, tu seras là. Et Nadim, tu vas t'écarter un peu plus en arrière. Nadim, le truc derrière toi, ça compte pas comme château. Bon, vous avez une heure. C'est parti à partir de maintenant. Une heure, c'est bon. Vas-y, let's go. Rémi. Tu fais quoi? Il a mis de l'eau comme ça en fait plus. T'as mis de l'eau dans ta bouche. J'explique. Quel est ton plan? C'est parti, je t'écoute. Je vais commencer par les fondations. Les fondations. Alors moi je vais faire un château avec 4 tours. 4 tours, ok, ouais. Sous ces 4 tours, ok, je mettrai rien. Ok. Ok. Je vais faire un petit barrage autour. Ok. Je vais chercher de l'eau. Ok. Et comme ça je mettrai du Doliprane dedans et ça va faire de l'exclaboussure. Ok, ça a l'air bien pourri, bonne chance. Merci. Monsieur Zizou, qu'est-ce qui se passe par ici? Ah, ok. Face à un stock d'eau. Ok, je vous suis. Quelle est votre technique? Je vous écoute. J'ai deux jarres. Il faut que je remplisse les deux jarres. Les deux jarres, ok. Ça et ça. Ok, donc là, vous mettez de l'eau dans votre bouche pour prendre plus d'eau, c'est ça? Ok, bon, je vous laisse. Bonne chance. L'eau, elle sèche. Quels sont vos plans? Je vais faire un truc avec 4 tours. Ok. Et un gros château au milieu avec ça, okay, en guise de... Petite décoration. Exactement. Ok. Est-ce que vous êtes assez confiant? Ça va? En vrai, ouais. Ok, super. Allez, je vous laisse. Bonne chance. Monsieur Nadim, que faites-vous? Nadim. Je mets de l'eau dans mon château. Ok, tu mets de l'eau dans ton château. Pourquoi tu lances le verre? Normal, là, j'ai perdu. Non, c'est bon, il est devant toi. Faut pas courir, il y a tout qui tombe. Ça sert à rien là. C'est pas ça. Nous pouvons observer un changement de plan de la part de Monsieur Zizou là-bas. Il était peut-être plus judicieux de se rapprocher de la mer, en effet. Rémi n'est pas d'accord avec cette technique. Là, il y a un fou. Nadim, s'il vous plaît, Monsieur Nadim, quelle est votre technique? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre plan? Un château. Plus de précision, s'il vous plaît? Je peux pas. Ok, pardon, je vous laisse. De ce que je vois pour l'instant, c'est pas terrible. Chacun opte pour une stratégie différente, mais pour l'instant, les trois sont assez pourris. Il y a peut-être Zizou, les gars. Il y a peut-être Zizou qui a changé de stratégie, et je pense que c'est la meilleure, c'est-à-dire se rapprocher de la mer pour avoir de l'eau toujours en illimité. Nadim semble adopter la même stratégie. Ok. Alors Nadim, il faut faire un château, faut pas se baigner. Surtout que ton caleçon, tu l'as pas lavé depuis 6 jours. Ah, c'est comme ça que tu laves ton caleçon? Tu te baignes à chaque fois? Oh, nous avons une belle avancée par ici. Qu'est-ce que c'est que cette structure? Un ça mur, une porte? Le début d'un gros muret qui va faire tout le tour comme ça. D'accord, parce ok. Il faut protéger le château. Bien sûr, faut le fortifier, c'est un château. Des envahisseurs. Ouais, lui il se baigne en fait. Alors, nous avons un verre perdu par là-bas. Aidez-moi, j'ai perdu mon verre! Eh mais est-ce que c'est mon problème? Finalement, Eh monsieur, on ne s'énerve pas, calmez-vous! Calmez-vous! Nadim, il est là ton verre! Il est là! Nadim, faut avancer hein! Sinon, tu vas te faire enterrer vivant! Nadim, votre caleçon se transforme en string, monsieur! Allez! Nadim, on continue s'il te plaît. Pour l'instant, les gars, j'ai envie de mettre un billet sur la construction de Zizou. C'est le meilleur départ pour l'instant. Ok, nous avons une muraille tout simplement. Il est près de l'eau. Il peut solidifier. Petit aller-retour, il gagne du temps. C'est très efficace. Ok, là-bas. Et du coup, ici, nous avons. J'aimerais vous poser une question. Oui. À quoi sert le produit pour lever les lunettes que vous avez ramené? Pour étaler un peu comme ça. Vous pouvez étaler comme ça? Ouais, comme ça. Ah, c'est super efficace. Nous allons voir la construction de Rémi. Pour l'instant, ça ressemble à une pizza 4 fromages. Pour l'instant, je vais pas vous faire peur, mais vous avez la pire construction, ah ok, bon, okay. D'ailleurs, il a encore perdu son verre. Il veut casser la construction de Zizou. Ça part en bagarre. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Nadim? J'ai perdu mon verre. Vous avez encore perdu votre verre? Ok, moi, très belle avancée par ici. Vous en êtes où? La tour. Parce que pour l'instant, vous ressemblez toujours à rien. Si on regarde votre construction et si on regarde à côté, c'est pareil. Je vous laisse continuer, ok? Si tu vas sur moi, je te donne 200 balles. T'es pas en train d'essayer de me corrompre là? Non. Non? Il y a une bagarre là-bas, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît! C'est un sabotage! Il a cassé votre muraille! Oh! C'est Rémi qui a cassé votre muraille, monsieur. Okay. Nadim, viens voir. Va remplir de l'eau. Ça reste une attaque contre le cochon Rémi? Oui. Salut! Run. Nous venons d'assister à une attaque sur le château de Rémi. Alors déjà qui était super moche, je pense que vous avez même pas besoin de faire ça hein. Pour l'instant vous êtes mal barré, on va pas se mentir. Bonne chance. Bon, il a perdu son verre dans le sable cette fois. C'est ça? Oui. T'as lancé ton verre Rémi. Rémi vient de lancer son verre.
Pour rajouter un peu de piment à tout ça, les frérots, j'ai ramené une bouteille qui peut servir énormément pour la construction d'un château. On va voir qui la mérite. Caleçon mouillé, Zizou et Rémi, la moitié d'une bouteille. Non pas une bouteille qui peut être compliquée à remplir, mais la moitié qui est déjà coupée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'elle intéresse quelqu'un parmi vous pour commencer? Rémi, Zizou et Nadim. D'accord, pour les trois. C'est celui qui m'impressionne le plus qui aura le droit à cette bouteille. Ok, regarde. Ah bah regarde-moi, regarde-moi. Très très nul. Très très. Oh, vous avez changé de couleur de cheveux. Nadim, j'ai bien apprécié votre changement de couleur de cheveux. Rémi, je vous écoute, qu'est-ce que vous faites pour m'impressionner? Un instrument en deux. Je vous écoute, ne pétez pas, il y a encore des gens derrière. Michou. T'appelles Michou? Non mais là tu ressembles pas du tout à Michou là. Alors j'ai pas trop compris ce que vous faisiez. De la beatbox? En dansant. Alors je donne la bouteille à Nadim. Ouais. Nadim aka Michou, courage pour votre construction. Merci. Ça c'est les escaliers. Je pense à tout. Comme ça, regarde les gardes là. Regarde, là aussi t'as des escaliers. Ok. Ouais, là il y a des ennemis. Tac 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 tac. Hop, je monte sur les trucs. Okay. Et là je suis protégé, je peux les retirer dessus. C'est très bien pensé. Très bien pensé. Michou, votre construction avance ? Oui. Oh oui, il utilise ce qu'il a ramené tout à l'heure. Mais c'est énorme. C'est énorme. Oh, t'as le gosse, il est à côté, il est en train de pêcher tranquillement. T'en as un frère, il imite Michou avec une bouteille. Pour l'instant, les frérots, au vu de ce qui se passe, je dirais que Zizou est en tête, mais Nadim est très très proche derrière. Nous allons voir Rémi qui est dans la dernière position depuis le début. D'accord, ok, c'est plutôt pas mal, ça commence à prendre forme. J'avoue que si vous avez gagné la bouteille, ça aurait pu être vraiment pas mal. Mais c'est le problème. Vous avez fait un truc un peu pourri quand même. Alors messieurs, nous sommes à 37 minutes exactement. Il nous reste 37 minutes. Il reste plus que 30 minutes les frérots avant la fin de leur construction. Donc nous allons rajouter encore un petit joker qui peut être vraiment, vraiment très important à gagner à ce stade de la partie. Est-ce que ce joker intéresse quelqu'un parmi vous? Rémi, Zizou? Non. Non, pas pour Zizou, pour Nadim? Vous connaissez la chanson? Impressionnez-moi. Est-ce que je peux faire un truc rigolo comme ça? Ah, Zizou veut le saut? Attends. Bien, je vais hop. Ouais. Hop. Ouais. Ok. Oh oui. Oui. Très impressionnant, encore? Oui. Ok, oh une main, d'accord. D'accord. Ok. Quoi? Ouais, mais là, il y a du haut level. Il y a du très haut level. Il y a du très. Regarde! Oh oui! Oui! Ouais. Manuel. Manuel. C'est qui Emmanuel? Alors là, j'ai deux mains. Ok. À son sale. Parce que je travaille parce que j'ai pas de sous. Bien sûr. Regardez mon doigt. Ouais, je le regarde. Là, il est normal. Il est normal. Il est toujours normal. Non? Non? Là il est débile. Là je te Ok. Attendez. Là. Non, c'est nul. C'est très nul. C'est très nul. Là, c'est très nul, Manuel. Là je le remets. Manuel, c'est très là, nul. Là je le remets. Hop, une main dans mon château. C'était très joli. Et regardez. Non, j'ai bien aimé la prise de risque. C'est possible. Je t'ai vu. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. C'est une bagarre qui se passe au milieu. Oh mon Dieu. C'est une bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Il recommence. Aïe. Et Rémi, c'était pas judicieux de votre part parce que Zizou vient de gagner le joker. Ça veut dire que sa construction va être rattrapable rapidement. Allez, parti. Le classement en a pris un coup. Nadim est passé numéro 1 puisque c'est le seul qui a une construction qui tient. Zizou rattrape très rapidement et Rémi, bah il se baigne. Dans la vie, il faut persévérer. C'est toi le pervers. Vas-y, casse-toi. Attends, dans la vie, faut persévérer. Ouais, vas-y, continue. Alors, persévérer. Il ne faut jamais lâcher. Ouais. Quoi qu'il le compte, ok? Toujours avoir ses ambitions dans la tête. Par contre, ton œil il est encore plus gonflé. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. J'ai envie de rajouter quelque chose pour le gage. Le gage, finalement, sera bien un coup de tondeuse. Ça devient un peu plus sérieux. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Ça ne rigole plus. J'ai l'impression que vous rigolez un peu moins aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, vous êtes premier, monsieur. Vous avez quelque chose de pas mal. Regardez, monsieur. De vraiment pas mal. Regardez. J'apprécie. Là, c'est... Ouais. Ça. Mais en fait, là, elle est partie. Ok. Par contre, vous n'êtes pas obligé de péter pendant que vous présentez votre château. Je me barre, monsieur. Arrêtez, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Alors, Zizou, j'aimerais voir, s'il vous plaît, l'utilisation du joker. Vous avez très bien rattrapé. Je peux dire que Zizou est repassé numéro 1. Nous pouvons dire que Zizou est passé numéro 1. C'est ciao. C'est vous Squeezie? Une tour va prendre forme, c'est bien ça? Exactement. Nous regardons tous. Oh mon Dieu. Oh mon... Comme dirait une personne très sage, il faut... Dans la vie, il faut persévérer. Je vais voir du côté de Rémi, qu'est-ce qui se passe les gars? C'est une pizza. T'as refait une pizza? T'as envie de pizza en ce moment peut-être? Non? Nouvelle tentative, nous sommes là pour observer. Attention. Et là, il faut attendre. Attention. Attention, calmement, de la sans pression. Ok. Hé.
Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Attention et regardez. Oh mon dieu. Non. Puisque c'est le roi. Il va pas oser. Il va pas oser. Oh là là. Oh là là. Je vous laisse, okay. J'aurais dû mettre de l'eau. Je vous laisse, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, j'ai l'impression, les gars, que les participants prennent les choses très au sérieux. Nous allons voir comment va se passer la suite. Mais là, ça s'annonce très, très palpitant. Nous avons une tentative d'échange qui est en train de se passer entre les deux joueurs. J'accepte l'échange, mais pas maintenant. Ok. Yeah. Ok. Avec ça, okay. Il demande votre slip. Vous acceptez de donner votre slip avec Je vous donne tout 50 euros. Mais moi, je veux votre slip. Après. Il ne reste plus que 10 minutes. 10 minutes. Pour les 10 dernières minutes, nous avons un dernier joker. Une espèce de pelle, un espèce de râteau, comme vous voulez, qui va servir à creuser si vous avez besoin, c'est-à-dire comme ceci. Monsieur Zaidou, Zaidou, il a fait tomber les lunettes patrouille dans l'eau. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'étais perdu, je les ai retrouvés. Oh mon dieu. Oh, c'était un bonus pour vous, c'était un point pour vous. Pour le dernier joker, c'est celui qui me fera le plus beau plongeon qui le gagnera. Pas mal. Il a un petit bonus parce qu'il ressemble un peu à Brice de Nice. C'était un peu pourri, je le donne à Nadim. Nadim, vous gagnez le dernier joker. Bonne chance, il ne reste plus que 10 minutes, c'est la dernière ligne droite. Bon, à partir de maintenant les gars, je ne vais plus regarder le château des trois participants. On va garder la surprise, ok. Et je reviendrai directement dès que ça sera le moment de choisir quel est le plus beau château et qui va prendre bien sûr le coup de tondeuse. Il vient de flinguer tout son château tout seul. Arrête. Est-ce que vous entendez cette sonnerie? Les amis, le temps est écoulé. Ça fait une heure que vous construisez vos châteaux. Il est temps de découvrir maintenant. Et nous allons commencer par le château de Monsieur Zizou. Ok, si vous le voulez bien. Rapprochons-nous du château de Zizou, s'il vous plaît. Alors ici, on a une entrée, donc vous pouvez voir les marches. Ok, petite entrée. Petit pont-levis. Petit pont-levis, ok, voilà, très original. Sur le pont. D'accord. Ensuite, on arrive sur la tour du roi et la tour de la reine. D'accord, ok. Les deux ne sont pas là. Mais du coup, le guetteur est là. Ça veut dire dès qu'un caca gagne, ça s'allume. Exactement. Tout à fait, ok. Et ensuite, on a les tours des différents guetteurs avec un archer dedans. D'accord. Et on peut voir les escaliers pour monter dedans. C'est incroyable. Rémi, présentez-nous s'il vous plaît votre réalisation. Il y a 4 ponts. Ok. 4 ponts pour passer. Ah, là. Ici, il y a une tour. Ok. C'est la plus grosse tour de l'enfer, comme d'accord. Dans Clash Royale. Ensuite. Ici, nous passons ici. D'accord. On peut voir ici qu'il y a de l'eau. Non, pas trop. Alors l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Elle est en sécheresse. Nous rentrons ici. Ouais. Et venez, faites le tour. Non, faites le tour. Ah, vous passez là. Ok. Et là nous avons une muraille. D'accord. Il y a une rempart. Ok, ok. Au cas où ils arrivent à passer. Ok. Il y a une deuxième. Ok. Qui est ici. Incroyable. Voilà. Et okay. Nous passons là. Et ça, c'est la maison de tous les habitants. D'accord, ok. Donc c'est un petit village au final. C'est un village. Passons au dernier château s'il vous plaît. Celui c'est de Michou. Celui de Michou. Alors je vous écoute monsieur. Ça en fait c'est la porte pour arriver. D'accord. Ça c'est l'arbre. C'est-à-dire si vous voit, pas vous êtes mort. Ok. C'est-à-dire ah, ça c'est impossible. Ça c'est les lunettes. Oh là 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 là. Vous jouez avec mes sentiments monsieur. D'accord. Donc petite paire de lunettes pas de patrouille sur la tour. Au cas où qu'il y ait une météorite ou du soleil. Et là elle protège. Ok. Ça c'est les tours. Ça c'est la tour de. Démonection, le beau gosse le plus beau, le boss des boss. D'accord, ok. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Ça c'est la. Ça c'est quoi? La tour des deux clodos. Et moi je suis avec toi. Ici. Ah, ça c'est une claquée. C'est une route. Oh la route. Moi aussi j'ai une route. Ah non mais vous l'avez pas présenté monsieur. Ah non vous avez pas présenté de route. Il y a aussi un rond-point. Rond-point. Oh. Il y a un rond-point. Quel est le sens du rond-point s'il vous plaît? Comme ça. D'accord, ok, parfait. Là c'est une deuxième route pour aller. Vous voyez la plage. On voit. Pour aller directement à la plage, j'ai compris. Et là c'est une petite piscine. Ok. Tranquille. Je vais être très objectif. Ok. Le numéro 1 est Zizou sans hésiter. Ok, vous êtes tous d'accord, Nadim, t'es d'accord? Oui. Pour le numéro 2, Zizou, qu'avez-vous à dire pour vous? Vous êtes objectif, vous avez participé. Alors moi j'ai beaucoup aimé la route. Moi aussi j'ai bien aimé la route. J'ai beaucoup aimé la deuxième muraille de lui. Alors moi si je peux rajouter quelque chose, il y en a un parmi nous qui s'est donné énormément pour gagner des jokers. Il y en a un qui s'est mouillé le maillot. Ok. Il y en a un qui s'est mouillé le maillot. Il y a aussi, il s'appelle monsieur. Moi j'ai pas lâché. Ok. Et là il y en a un qui a un œil en moins. Il a fait énormément de coups de traître. Monsieur, il a cassé votre muraille. T'as été très mauvais joueur, ça il faut le noter. Les frérots, vu que nous sommes pas d'accord sur la délibération, ce qui va se passer, c'est que c'est vous qui allez voter. C'est vous les frérots dans les commentaires qui allez voter. Pour le classement, c'est Zizou en premier, ok. Et nous avons Rémi et Nadim. Celui qui aura le plus de gemmes, c'est celui qui aura gagné. C'est bon. Donc soit c'est toi, soit c'est Rémi. Dis un mot aux abonnés pour qu'ils votent pour toi.
les abonnés, que vous êtes les meilleurs. C'est tous les abonnés dédicaces à vous. Ouais. Tous les abonnés, ouais. Même ceux qui ne sont pas abonnés, c'est pas grave. Dédicace et abonnez-vous à Demolection. Bon gosse. Les amis, t'as le droit aussi de dire un mot aux abonnés pour qu'ils votent pour toi. Je me suis fait maltraiter. C'est faux. On m'a cassé mon château de sable. C'est faux. T'as cassé les... Ouais. Ouais, mais écoute, Nadim, il a besoin de dire ouais. Rémi, pas, Rémi, attends. Écoute. Non, attends. Moi, j'ai besoin de personne. Non. J'ai que les vrais qui sont à moi. Non, mais écoute. Si tu perds, ouais. Jure sur la tête de maman que tu te fais enterrer et raser en même temps. Ouais, la vie de maman que je me fais. Ok, c'est parfait. Non, à suivre. Non, attends.